Juste avant de commencer la petite vidéo les gars, on tient juste à vous faire une petite intro. Il y a un site très très sympathique qui nous a contactés. Vous êtes nombreux à nous dire que vous voulez des petites cartes et de l'argent PSN, ou que ce soit de l'argent Steam, ou que ce soit n'importe quoi pour vous procurer des V-Bucks ou autre chose. Et aujourd'hui, le site qu'on va vous présenter vous permet d'avoir tout ça gratuitement. Ah oui, oui. Donc la première étape, elle consiste tout simplement à s'inscrire sur le site Bananatique. Et ensuite, une fois que vous êtes inscrit, vous aurez juste à jouer à des sortes de mini-jeux. Voilà, soit directement sur le site, soit à télécharger, voilà. Ensuite, vous aurez des quêtes à remplir, des levels à passer, des choses comme ça. Enfin, compléter le jeu, entre parenthèses. Et ensuite, bon, je pense que vous comprenez tous le principe. Et ensuite, récolter des bananes. Voilà. D'où le nom du site Bananatique. Voilà, exactement. Donc, en gros, les bananes, ça correspond à quoi? Ça correspond à la monnaie du site. Des jetons, entre guillemets. Ouais, oui, la monnaie du site. Voilà, la monnaie du site, entre parenthèses. Et ensuite, les bananes qui peuvent faire gagner donc des cadeaux, des points, enfin, des cartes PSN, des points Steam. Et en fait, ces jetons bananes, vous allez les convertir en cadeau que vous voulez, en fait, tout simplement, que ce soit en PaySafe Card, que ce soit en carte Steam. Exactement. Que ce soit en cadeau, que ce soit en skin CSGO, que ce soit en tout ce que vous voulez, vous pouvez les convertir en fait. Alors ce site vous permet aussi d'avoir des cartes Amazon, donc ça peut être pour les gamers mais aussi pour tout autre type de personnes. Oui. Si vous voulez des cartes Amazon, bah, entre parenthèses, gratuites, il vous suffit juste de jouer au jeu tranquillement, c'est totalement gratuit. Bien sûr, le site est totalement legit, c'est-à-dire qu'il est en accord avec Steam, il y a tout qui est sécurisé, qui est totalement fiable sur ce site. Il y a déjà 177 000 personnes comme vous pouvez le voir ici, qui adhèrent déjà au site, tout simplement. Là, ensuite, il y a un classement des meilleurs... collectionneurs de bananes. Voilà. Voilà, exactement. Donc ce qui se passe là, c'est qu'au plus vous jouez, au plus vous serez haut dans le classement. Bon, ça m'a l'air logique. Vous pouvez aussi parier sur des cadeaux ou inviter vos amis sur ce site, il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez inviter tout le monde. Là, il y a un petit Discord qui est disponible là à gauche. Donc vous pouvez, il y a même un forum qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Vous pouvez discuter avec d'autres personnes, avec d'autres joueurs, tout ça. Donc, si vous avez des problèmes. C'est vraiment assez cool. Donc pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir des petits cadeaux, bon, je pense que tout le monde souhaite avoir des petits cadeaux, n'hésitez pas à aller sur ce site. Franchement, c'est un site qui est validé par la street. Ah bah oui, et validé par Duo aussi. Non, en vrai, c'est un joli site, les gars. En plus, ça vous permet d'avoir des petites choses gratuitement. Vous pouvez avoir des V-Bucks gratuitement, donc vous achetez des skins. Vous pouvez avoir des PaySafe Cards. Vous pouvez avoir de l'argent Steam, tout ça, pour vous acheter des jeux, des petits cadeaux aussi également. Juste en remplissant des quêtes, quoi. Voilà, en plus, ça vous permet de jouer à des jeux que vous connaissez même pas de base. Donc ça, c'est cool. Moi, j'ai testé le site tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est cool, justement, de tester des jeux qu'on ne connaît pas forcément. C'est cool. Ça prend pas beaucoup de temps. Et puis c'est assez simple. Bon voilà, c'était tout pour la petite présentation du site. Maintenant on va passer à la vidéo les gars. Nous on vous souhaite tout simplement un bon visionnage. Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo exceptionnelle aujourd'hui, parce que c'est Vava qui a décidé de faire cette vidéo. Et voilà, il y a du lourd quand même qui arrive, parce que Vava, vas-y, je t'ai expliqué ce que tu vas me faire subir aujourd'hui. Alors tout simplement aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, c'est de ne plus avoir de mec, mais d'avoir une meuf. Non, en vrai, ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de le transformer en fille. Dans un sens, j'ai pas le maquillage ou quoi, on va peut-être pas abuser dans le truc, parce que on l'a déjà fait en soi. Mais je vais l'habiller avec mes fringues, et je pense que là, il va y avoir du très très lourd. Donc les gars, moi je vais bien sûr avoir le droit à ma vengeance. À 10 000 pouces bleus les gars, je l'habille avec mes fringues à moi. Je vais essayer de lui trouver des petits fringues, tu vois. Assez sympa, des fringues de mec, tu vois, mais vraiment de mec, tu vois, des survêtements ou des trucs comme ça. Du coup voilà les gars, je compte sur vous, 10 000 pouces bleus, vous faites péter ça tout de suite là maintenant. Bref, avant de commencer les potes aussi, également, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Notamment Instagram, très important, on est bientôt aux 20 000 abonnés, donc n'hésitez pas à nous suivre, c'est très 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 important. Et puis nous tout simplement, on vous souhaite un bon visionnage. Bon, Vava, elle va me chercher des habits dans sa petite garde-robe. Tu me prends pas. Et c'est une tenue, les gars, juste comme ça. Une? Ah oui, on avait pas dit deux. Hein. Je pense qu'on va partir sur deux tenues, pas une, parce que. Contre mon plein gré. Oui, contre ton plein gré, bien évidemment. Parce que j'ai pas envie qu'il en choisisse qu'une et j'ai envie de lui faire tester plusieurs trucs. Et vous direz dans les commentaires laquelle vous avez préférée et laquelle lui va le mieux. Pour l'instant, on va partir dans ma garde-robe. Vous pouvez directement aller dans l'espace commentaire, les gars, et à préparer vos notes, parce que vous allez me noter, les gars. Aussi, je veux que vous me notiez. Parce qu'à chaque fois, vous me foutez des notes de merde et là, comme c'est Baba qui va m'habiller, tu vois, peut-être qu'elle va avoir du bon goût, tu vois. Bon, allez, c'est parti. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh putain. Ça, il n'arrivera jamais à le mettre. Clairement, c'est un genre de corset. Enfin, de corset, de pseudo-corset. Enfin, je sais même pas, non, mais il rentrera jamais là-dedans, en vrai.
On va essayer ça. On va voir avec ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais lui concocter? Je vais lui mettre une robe. La robe, ça peut être pas mal. On va lui mettre cette robe. Et en pantalon, ça. Ok, allez, un petit jean blanc. Je pense que ça peut suffire. Bon, j'ai concocté un truc. Oh non! Ce truc-là, c'est un genre de truc qui se ferme avec les boutons. Sauf que je sais même pas si ça va lui aller. Déjà que moi, ça me va même pas. Mais ça fermera pas comme ça. Ouais, ça, on sait pas. Ah, c'est que si je respire. Vas-y. Non, ça va, ça va. Ah, mais un jean avec. Ah oui. Ça me fait un joli petit curry. Hein. C'est bon. Ah, t'es sexy là. Putain, j'ai mis son petit jean blanc là qui me fait un beau petit cul là. Et t'as même pas fermé la braguette. Putain, mais ça se ferme pas. Ça, ça me va pas ces fringues. Ça me va pas, ça me sert. Mais le jean me sert. Vas-y, donne ça pour moi. Ça va, c'est mignon comme ça. Allez, note sur 10 les gars dans les commentaires. Là, c'est lourd quand même, c'est très très lourd. Pourquoi? Et la deuxième, elle est encore pire, vraiment. Oh là là. Elle est encore pire. Là, je vais concocter un truc assez spécial. Et je pense que c'est ce que c'est, tu sais ce que c'est? C'est une robe. Tu vas péter un fou, très clairement. C'est une petite robe que j'avais achetée il y a pas très longtemps. Ah là, je me sens beau là. Je me sens sexy là, comme ça. Sexy raffiné. Non, non, on dirait un peignoir ça. En vrai, c'est ici, on dirait un peignoir gros, non? Et on dirait pas un peignoir. Ah bon, on est grave bien dedans. Ouais, on dirait un peignoir, on est d'accord. Tu veux, ça fait plaisir. Bon les gars, 9 sur 10. Je me tourne sur moi-même, comme si on me visitait. comme si on me visitait. C'est quoi ce délire? Allez, visitez-moi dans les commentaires. C'est pas ma faute à me dire. C'est bon. C'est harmonieux. Bref, 10 sur 10 les gars dans les commentaires, ça me fait plaisir. Toi, t'as préféré quelle tenue? Bah celle-ci, c'est la plus facile à mettre. L'autre, elle me serrait et tout, gros. Ouais, tu peux même pas respirer. Ouais, c'est très clairement. En vrai, elles sont pas à l'aise les tenues de filles. Hein. Ouais, bah oui, non mais t'es pas bien dedans. Les tenues de mec. Toi, avec un mec, tu mets un petit t-shirt, un petit. Un petit sarouel. T'en bats les couilles. On dirait un peignoir, gros. C'est pas un peignoir. Eh, la vie de ma mère, la prochaine fois que je sors de la douche, les gars, je pense ça, ok? Mais t'es malade ou quoi? Bon, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire? 10 000 pouces bleus et à laisser mes fringues à moi, hein? Il faut quand même que tous les deux on soit égal, tu vois, par égal sur la chaîne, tu vois, quand même. Parce que, à part me donner des idées de merde. Ça va, c'était bien mon idée. C'est la honte un peu quand même. Un petit crush. Un petit crush. Grave. Alors, n'hésitez pas à nous dire quelle tenue vous avez préférée entre le bustier, où il est complètement compressé dedans, complètement comprimé. C'est ça, enfin. Je sais pas comment vous expliquer, en gros ça se ferme par des boutons, sauf que si tu respires, si t'as malheur de pas respirer. C'est toi qui as inventé le nom bustier en fait là à l'instant. Mais pas du tout, ça existe, putain, mais il existe ce mec. Jamais entendu ça de ma vie. Si t'as malheur de respirer, le truc explose. Mais vraiment explose. C'est pour ça que moi je peux plus mettre, clairement je te dis, je le mets plus parce que je veux respirer quoi. Donc soit le bustier avec le jean, soit la robe. Mais j'avoue que la robe c'était. C'était spécial. Pourquoi c'était ça? Je sais pas, mais c'était spécial. Ça m'allait bizarre son nom? Ouais. Tu préférais l'autre? Bah franchement, ouais. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Après c'était un peu court ça. Genre ça là, vraiment ça t'est arrivé genre en nombril. Ouais. Le pire c'est les jeans, comment ça te serre? Ça te serre les fesses, ça te serre les mollets, ça te serre les cuisses, franchement, hein, vous le dites. Mais tiens que toi t'es pas très jean. Non, ouais, déjà que moi. Toi, lui, il déteste les jeans donc. C'est pas que je déteste, c'est que tu sais, quand tu vas à un entretien ou quoi que ce soit, ou un truc un peu sérieux, tu sais, t'es obligé de mettre un jean un peu. Quand même qui. Enfin, tu sais, pas un baggy là, je sais pas comment on appelle ça. Pas un sarouel. Et du coup, voilà, moi je porte jamais de jeans donc je porte la plupart du temps des sarouels, c'est plus confortable. Là, d'être dans ça, je sais pas comment. Bah, on est d'accord, c'est pas confortable quand même. Moi, je suis bien dedans, mais après, moi je suis habitué aussi. Non, mais bon, vous avez compris quoi, c'est. Un corps homme, il peut pas mettre des trucs de femme, tu vois, genre c'est pas. Oui, c'est pas adapté, genre. C'est. Tu vois, les hommes, ils sont. Voilà quoi. Tu vois, ça, C'est bien passé, ça. Tu vois. Bon, bref. Moi, tu me kiffes en femme ou pas? Non. Non, tu me préfères en homme? Oui. C'est vrai? Ouais, c'est bien. Bref, les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu comme on vous l'a dit au départ de la vidéo et puis même il y a juste un instant. N'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo, comme ça un peu je peux me subir le même sort à Baba. N'hésitez pas également à partager cette vidéo à tous vos potes, à vous abonner aussi également à la chaîne. On avance super super vite en ce moment. On est bientôt aux 400 000 abonnés, franchement ça avance super vite. Moins de 50 000, donc ça avance super vite les potes. En tout cas, merci à tous ceux qui s'abonneront à la chaîne, bienvenue au nouveau. Et puis n'oubliez pas la petite cloche aussi quand vous abonnez. Et puis nous on se retrouve ce soir en live comme d'habitude les gars vers 20h30, 20h45.
On lance les lives plutôt en ce moment parce qu'on sait que vous avez tous rattaqué les cours et du coup ça devient assez compliqué pour vous. Donc on lance plutôt les lives, donc on espère que dans tout cas vous serez présents et puis on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.